Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. On est en 1953. Le génial homme de radio qu'était Jean Amrouche produisait une série de 3 émissions autour de l'angoisse des temps présents et les devoirs de l'esprit. Thème qui devrait d'ailleurs faire l'objet d'une réflexion permanente. Cette 3e et dernière émission était consacrée à l'art dans ses rapports avec l'angoisse. On y entend Jean Lescure, poète et écrivain, qui fait partie des fondateurs de l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle. On y entend Claude Roy, lui aussi poète et écrivain, qui sera un des signataires du manifeste des 121. Y participe également le critique littéraire belge Georges Poulet, auteur des études sur le temps humain. Mais c'est surtout la voix calme et ferme de Georges Bataille, qui en sait long sur les relations entre l'art et l'angoisse, qu'on retiendra de cette émission. Bataille qui se refuse ici, par les propos qu'il tient, d'en faire un simple objet de conversation parce qu'il prend lui très au sérieux le rôle de l'art sur l'angoisse des hommes. Bataille, celui qui affirme avec cette intelligence percutante qu'on lui connaît que si la littérature s'éloigne du mal, elle devient vite ennuyeuse. Le journal parlé présente Des idées et des hommes, une émission de Jean Amrouche. Au cours de cette émission, vous entendrez un entretien sur l'angoisse des temps présents et les devoirs de l'esprit. Vous savez que c'est le sujet général des 8e rencontres internationales de Genève. Vous avez déjà entendu 2 entretiens sur ce sujet. Ce soir, vous allez entendre Georges Bataille, Jean Lescure, Georges Poulet et Claude Roy qui vous parleront de l'art dans ses rapports avec l'angoisse. L'art est-il un moyen efficace d'exprimer et par conséquent en un certain sens de surmonter l'angoisse des hommes, ou bien l'art est-il un moyen inefficace sur ce plan? Et tout aussitôt, je donne la parole à Georges Bataille. Je voudrais commencer par un exemple assez pertinent où l'efficacité n'est pas douteuse. À vrai dire, ce n'est pas un exemple classique lorsque l'on parle de l'art, parce que la trompette guerrière, dont j'aimerais vous parler, passe pour être au moins très vulgaire, mais qu'est-ce que cela signifie? Peut-être c'est que c'est la forme d'art la plus accessible aux hommes les plus simples, celle qui a joué le plus parfaitement sur eux. Et somme toute, elle a le rôle le plus en rapport avec la question qui nous agite aujourd'hui, puisque les gens auxquels elle s'adresse sur le champ de bataille sont des gens qui vont mourir et qui sont par conséquent censés être dans l'angoisse. Or, il n'est pas sûr qu'ils le soient, mais dans la mesure où ils ne le sont pas, il me semble que leur façon de surmonter l'angoisse a pour réponse justement les accents de la trompette guerrière, c'est-à-dire ce commencement d'ivresse qui doit faire passer de l'angoisse à son contraire, en ce sens justement que, par elle, l'instant présent seul compte et que le souci de l'avenir est tout à fait levé et que par conséquent on peut se jeter dans l'absurdité du combat. Eh bien, messieurs, mes chers amis, il me semble que Georges Bataille vient de nous jeter vraiment à la face des propos qui constituent une véritable provocation. Qu'est-ce que vous en pensez, Claude Roy?
Eh bien, je dois dire que je suis un petit peu décontenancé de la façon dont Bataille a attaqué le problème, parce qu'il me semble, je cherche mes idées devant le paquet qu'il vient de nous jeter au visage, il me semble que tout de même la trompette guerrière, la fanfare militaire n'est pas une forme d'art, parce que je ne nomme pas art la technique de nous parler d'autre chose. Or, la musique militaire, sa caractéristique, c'est de parler précisément aux hommes d'autre chose que ce qui leur est essentiel. Et à l'instant où, comme le dit Bataille, ils sont sur le champ de bataille, ils vont mourir, eh bien, on ne joue pas en effet une marche funèbre qui serait en accord avec la réalité du moment. On joue une musique qui a pour but d'étourdir, de parler d'autre chose, d'arracher à eux-mêmes les hommes. Mais il ne me semble pas que ce soit là la définition de l'art. Et puis j'avoue que la situation de la trompette guerrière, elle me paraît se référer tout à fait à des époques révolues et non pas au temps présent. Il ne me paraît pas que l'on joue de la trompette guerrière aujourd'hui, ni même qu'on y ait joué pendant la dernière guerre. Il me semble que la trompette guerrière est une forme d'art qui touche beaucoup plus ceux qui assistent au défilé militaire et qui n'y participent pas. En ce sens, on pourrait considérer que la trompette guerrière est une forme d'art. Et vous parliez tout à l'heure, Bataille, de la vulgarité de cet art. Mais c'est une vulgarité qui n'exclut pas le sublime. C'est un art qui, justement, peut paraître vulgaire à des raffinés, mais qui paraît très souvent une forme du sublime, et peut-être la forme du sublime et qui touche le plus grand nombre de gens et le plus constamment. Mais Jean Lescure, qui a l'air de méditer profondément sur ces propos et qui paraissent plus badins que sérieux, qu'est-ce qu'il aurait à nous dire à ce sujet? Pas grand-chose. Enfin, pour l'instant, je trouvais aussi que l'usage de la trompette guerrière était bien négligé. Mais que si on avait l'occasion d'entendre de la trompette, c'était peut-être dans les caveaux existentialistes où on peut entendre des trompettes bouchées qui ont un autre caractère. Je vois pas très bien quand même quelle est la place de la, disons, relaxation de l'angoisse dans tout ça. Est-ce que la trompette du jazz contemporain, au contraire, n'exprime pas l'angoisse? Peut-être. Non, mais je pense, si vous me permettez, à un souvenir vécu de guerre. Je me souviens d'avoir été coincé sous un bombardement assez mauvais à la fin de la guerre et d'avoir été avec des Américains. Il y avait un Américain qui, sous le bombardement, ne bronchait pas, il lisait un pocketbook, vous savez. Mmh. Et j'ai regardé par curiosité ce qu'il lisait. Et il lisait un livre de Richard Hughes qui s'appelle « Péril en mer ». Et je trouvais ça assez étonnant de voir ce garçon qui échappait totalement à l'angoisse qui nous serrait tous à la gorge du bombardement réel par la lecture du récit d'autres angoisses, les angoisses fictives, imaginaires de marins dans une tempête. Alors est-ce que ça ne serait pas là cette sorte d'exorcisation de l'angoisse par le divertissement, dans le sens de divertir de la situation présente, forme de catharsis que l'on a parfois appelé la tour d'ivoire, le retrait de l'artiste dans une situation qui n'est pas celle du monde autour de lui, du monde réel, et forme extrêmement contestable, à mon sens, de la lutte aussi contre l'angoisse. Poulet ? Ben, je voudrais revenir à l'idée de trompette, parce qu'à côté de la trompette guerrière, il y a tout de même aussi la trompette du jugement dernier. Je me rappelle que quand j'étais gosse, ce qui me faisait peur, c'était pas le son de cette trompette qui devait annoncer la fin de mes jours, c'était plutôt que je ne l'entendrais pas. C'est-à-dire que tout le monde se réveillerait et que moi je serais laissé tout seul dans un monde de sommeil. Maintenant, voici comment le problème se pose pour moi. L'art, c'est très beau. Au moment même, et dans le moment qui est le moment d'art, je me sens coïncider avec cette beauté et cette bonté. Et c'est très bien parce que ça me dispense de l'angoisse. Mais il y a toujours une part de l'œuvre d'art que l'on oublie, et c'est le point final. C'est-à-dire, c'est la trompette du jugement dernier. L'art, c'est comme une espèce de vie qui se termine, et moi, je ne me termine pas.
Oui. Et c'est pas seulement vrai pour moi, lecteur, c'est vrai aussi pour moi, auteur. Pendant l'instant que ce que j'écris existe, si c'est un poème, je suis mon poème, mais une fois que mon poème est terminé, je suis encore là et mon poème, il a fichu le camp. Oui. Et alors? Et alors, je suis là avec mon angoisse, tandis que le poème s'en va tout heureux de son côté. Oui, mais la question est de... tout heureux ou tout malheureux. La question est de savoir si, pendant que vous faites votre poème, vous n'êtes pas précisément exonéré de votre angoisse. Et si, tout de même, cette angoisse, vous n'avez pas fait effort pour la transfuser à ces mots qui constituent le poème. Ça, c'est deux questions très distinctes. Mais j'avais bien cru tout à l'heure, dans le très très bref, trop bref peut-être exposé du sujet de notre débat, j'avais bien cru avoir parlé de l'expression de l'angoisse, d'une part, et d'autre part, de la purgation de l'angoisse. Mais Bataille nous a tous déconcertés par sa trompette de bataille, et je voudrais bien que nous revenions au vrai sujet. Sur le mode plaisant, si vous voulez, je n'y vois pas d'inconvénient, au contraire, j'en serais enchanté. Alors, Georges Bataille, dire... soyons sérieux. Je tiens à dire que si je n'avais pas aperçu à l'avance, dans les perspectives de mes paroles, les corrections qui ont ajouté Jean Amrouche et Claude Roy, je me serais tenu quoi, parce que à personne, ce que Jean Amrouche et Claude Roy ont souligné ne pouvait apparaître, mettons, plus cruellement qu'à moi. Et alors? Et alors, je n'en ai parlé justement que pour provoquer le remous où j'espérais voir sortir les vérités que nous attendons tous. Mais ces vérités, nous les attendons d'abord de vous. Car enfin, vous nous avez provoqué, mais vous nous avez provoqué parce qu'il y avait en vous un dessein au moins implicite. Alors maintenant, explicitez-le. Ce que je pense essentiellement à ce sujet, c'est qu'au fond, il y a chez les hommes une avidité d'angoisse extraordinaire, mais que c'est une avidité qui a des conséquences pénibles. Et en somme, lorsque ces conséquences arrivent sur le champ de bataille, déjà, elles sont très, très pénibles. Et l'on peut penser que l'art, on ne peut pas s'étonner, que l'art ait eu un terrain de développement plus propice. En général, l'angoisse dont l'humanité est si avide, elle a cherché à se la donner un meilleur marché que sur le champ de bataille. Et grâce à cela, l'art a pu connaître un développement plus profond. Il est évident que si l'angoisse du champ de bataille qu'exprime et que libère la trompette guerrière est sensible dans les esprits humainement les plus simples, il n'en est pas de même de ces formes d'angoisse qui ont abouti à la grande poésie ou à la tragédie. Mais Bataille, vous dites que l'humanité est avide de se jeter dans l'angoisse, en quelque sorte de créer sa propre angoisse, et qu'alors l'art serait à la fois un moyen de créer l'angoisse et un moyen de l'exorciser. Est-ce cela? De le chercher, de la chercher. Oui. Parce qu'en somme, si un poète tragique se propose un thème tragique, il ne crée pas l'angoisse, il la cherche, il la dégage d'un effort assez pénible. Et il la rend inoffensive. Eh bien, je ne sais pas, je me demandais en écoutant Bataille si certaines définitions de l'art ne seraient pas celles qui proposeraient que l'art est le domaine où on n'élude pas l'angoisse. Quant à la rendre inoffensive, ça n'est pas sûr, car pour certains esprits qui possèdent d'autre part des moyens d'éluder l'angoisse, est-ce que l'œuvre d'art n'aurait pas la fonction de les réveiller, de leur dire, eh bien non, vous ne vivez pas dans un monde si confortable, et elle serait ce scandale nécessaire? Oui, vous avez tout à fait raison, là c'est pas si simple que le mot inoffensif qui était venu à ma pensée l'exprime. Il me semble qu'il y a un autre problème que nous ne pouvons pas résoudre, qui ne me semble pas du moins devoir se résoudre par les moyens de la réflexion, qui est... c'est la première angoisse, s'il faut employer le mot, et je m'en méfie cependant, la première angoisse qu'en tant qu'écrivain, en tant qu'auteur, je ressens,
c'est celle précisément de la non-communication, de la voix qui se perd dans le désert, dans le silence, car enfin, ce refuge, cette expression, cette sublimation de l'angoisse par l'art, elle reste dans le monde actuel, dans les conditions de notre vie, le privilège de bien peu. Et je pense que nous ressentons tous très violemment cette espèce de malédiction de départ qui est de parler, mais pour qui, à qui? Mais ça, je ne crois pas qu'un débat autour d'une table puisse le résoudre. Ce ne sont pas comme les devoirs de l'esprit, mais ce sont les devoirs de l'action qui peuvent, à mon sens, le résoudre. Il y a l'autre problème, en effet, qui est, nous sommes tous tombés d'accord pour condamner l'art qui n'est qu'une évasion, qu'une distraction, qu'un divertissement pascalien. L'art doit révéler, mais il révèle peut-être, alors je cherche là aussi, je pense tout haut, dans un domaine expérimental où le risque, le péril de mort est peut-être moins grand. Oui, très bien. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui. Oui, enfin, J'avoue que je ne comprends pas très bien, Claude Roy. J'aimerais que vous le disiez avec plus d'extension et de clarté. Eh bien, je pense qu'il n'est pas digne du terme d'art, hein, tout ce qui est simplement divertissement, jeu, amusement gratuit, façon de nous faire penser à autre chose. Je pense en effet, comme l'a dit Jean Lescure, que l'art vrai nous révèle la réalité, nous révèle notre réalité, et en faisant partie une certaine angoisse et aussi une certaine joie. Mais que la tragédie, par exemple, est, comme l'indiquait Bataille tout à l'heure, une façon pour l'homme d'organiser une cérémonie, une espèce de course de taureau sans mise à mort, où la mise à mort est une fiction. Et je me demande si l'art n'est pas une expérience sans que le sang coule, même... Une expérience abritée. Une expérience abritée et cependant valable. C'est toujours le problème de l'iris, la littérature considérée comme une tauromachie. Est-ce qu'on risque dans la littérature? Eh bien, il est évident, non, on ne risque pas dans l'œuvre d'art ce qu'on risque sur le champ de bataille, dont parlait Bataille tout à l'heure. Oui, on ne risque pas tout à fait de la même façon. Cependant, il semble, en tout cas pour toute une littérature contemporaine, que l'exigence que l'écrivain fait porter sur sa conduite d'écrivain lui fait prendre des risques qui ne sont pas tout à fait des risques de mort, mais des risques d'une certaine aliénation, pas dans le sens de la folie qu'on enferme, quoique on a eu des exemples, mais d'une certaine aliénation de lui-même et d'une certaine difficulté d'être là. Est-ce que vous partagez ces vues de l'art comme une espèce d'angoisse abritée, Georges Poulet? Mais je dois avouer que cet adjectif d'abrité me choque pas mal, parce que j'ai une expérience assez curieuse en étudiant des auteurs différents l'un après l'autre. Dans les temps passés, je les plaçais en fin de compte dans une espèce de paradis que je croyais authentique. Je croyais que l'art, tout simplement, les rendait heureux. Tandis que maintenant, de plus en plus, lorsque je suis en train de refléter de façon critique l'œuvre d'un artiste, j'ai tendance à laisser ces artistes eux-mêmes, en fin de compte, dans une espèce d'enfer. Je ne sais pas d'ailleurs en quoi consiste exactement cet enfer, sinon précisément dans le fait que l'art n'a pas tellement servi à les sauver, à les calmer, à les abriter d'un monde qui est le monde réel ou bien qui est le monde imaginaire, mais au contraire à les précipiter dans un monde qui serait encore infiniment plus tragique, infiniment plus douloureux que le monde ordinaire, et par conséquent à les forcer à se rendre compte que l'enfer est au bout de leur expérience. Je me demande si Georges Bataille ne serait pas plutôt du sentiment de Georges Poulet. Pas tout à fait. Il me semble que ce qui est à la base de la création littéraire ou de la création poétique est toujours une existence qui a pris des risques profonds, des risques fondamentaux au départ, oui, ça j'accepterai, mais que par la suite, la création elle-même offre au moins des moments de résolution, et je dirais plus des moments de profond bonheur,
je tiens plutôt à parler de profond bonheur que de résolution, parce que ce profond bonheur peut être suivi de son contraire tout aussi. Oui, oui. Ça me semble très juste. Un bonheur par-delà le malheur. D'ailleurs, il s'agit aussi de savoir non pas seulement ce que ressent le créateur, l'auteur, mais ce qu'il donne. Il y a une question que je me pose, que je vous pose. Je suis toujours choqué quand je vois dans la vie, en dehors de l'art, quelqu'un dont on dit « il passe ses nerfs » ou « il passe sa colère » sur quelqu'un. Parce qu'en effet, c'est quelque chose d'extrêmement déplaisant que la personne qui, parce qu'elle est malheureuse ou tourmentée, passe sa colère sur son voisin ou son mari ou sa femme. Et pourtant, il se passe quelque chose d'à la fois analogue et très différent dans l'art. L'artiste passe à son lecteur, à son public, ce qu'il ressent, mais il le passe en le transmuant, en faisant justement une œuvre d'art qui fait que ces artistes dont vous parlez tout à l'heure, dont la vie a pu être un enfer, nous donnent cependant une joie profonde, fondamentale. Oui, mais c'est que cette joie profonde, fondamentale, est aussi cet étrange plaisir, cette majestueuse tristesse dont, disait Racine, qu'elle fait tout le plaisir de la tragédie. Et je voudrais maintenant que nous examinions la question, non pas du point de vue du créateur, question d'ailleurs que nous avons examinée d'une façon assez superficielle, vous me l'accorderez, mais du point de vue de ceux qui ne sont pas des créateurs, n'entrons pas dans les raisons qui font qu'ils ne sont pas des créateurs, disons simplement du côté public. Nous avons parlé de l'auteur tragique, mais nous n'avons pas parlé, sinon Claude Roy, lorsqu'il a cité le mot de cérémonie, nous n'avons pas parlé du public de la tragédie, des spectateurs de la tragédie, à qui tout de même le spectacle est destiné et qui doivent en faire partie intégrante, car sans spectateurs, il n'y a pas de tragédie, il n'y a pas de cérémonie tragique. Eh bien, est-ce que la catharsis opère véritablement sur le spectateur ou est-ce qu'elle n'opère pas? Voici très grossièrement posée la question que je vous adresse. Qui veut répondre? Moi. Georges Poulet. La catharsis, me semble-t-il, opérerait sur le spectateur. Parce que le spectateur, à la différence de l'auteur, peut arriver à coïncider avec le héros. Je songe par exemple à la tragédie de Phèdre. Il n'y a rien de plus malheureux qu'un personnage comme Phèdre. Et il n'y a pas non plus peut-être d'auteur plus malheureux que Racine. Il n'empêche que nous éprouvons, me semble-t-il, à la fin de la pièce de Phèdre, en tant que spectateur, un bonheur qui, peut-être, est refusé à Racine en tant qu'auteur. Vous rappelez, je ne le rappelle plus très nettement, les tout derniers vers prononcés par Phèdre. Dans ces derniers vers, Phèdre s'en va aux enfers. Phèdre, si vous voulez, est malheureuse. Mais au moment où elle dit adieu au monde et elle va s'enfoncer dans son malheur définitif, à ce moment-là, elle constate que le jour est restitué à sa pureté. Mais nous rejoindrions par là peut-être ce que Bataille a dit en commençant à propos de la trompette guerrière et de la situation de ceux qui l'entendent sonner, et dont elle exprime l'angoisse, mais qui, en même temps, sont libérés de l'angoisse par la trompette elle-même. C'est-à-dire qu'alors, il y aurait une forme d'évasion, mais qui ne serait pas une évasion hors de la condition fondamentale, hors de la réalité essentielle, mais qui serait un retour, une révélation de cette réalité et une mise en communication avec cette réalité fondamentale de l'être. Ce serait peut-être là alors la source du bonheur et le retour à l'ordre. Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas si c'est d'ordre qu'on peut parler, mais il me semble que le grand mouvement de la tragédie, qui est toujours nécessairement rythmé, doit aboutir en effet à une sorte de moment d'éblouissement où tout est confondu, où l'angoisse, qui devrait être seule, est cependant transmuée. Parce que lorsque Phèdre
cri qu'elle rend au jour que sa présence souillait toute sa pureté, il me semble que jamais le jour n'a été plus éblouissant. Et je ne peux pas croire un instant que Racine n'ait pas perçu tout le bonheur qu'il y avait dans la phrase finale de Phèdre. Mais c'est précisément cela que je désignais d'une façon très prosaïque par le retour à l'ordre. C'était l'ordre avec un grand O. Ce n'était pas l'ordre de la société. C'était l'ordre des relations parfaitement réglées entre les suprêmes puissances, les dieux et Phèdre elle-même. C'est que Phèdre se trouve restitué à la lumière parce que, par son propre écrasement, par son propre malheur, cesse la transgression. C'est de cet ordre que je parlais, Georges Bataille. Il me semble cependant qu'il est difficile d'employer ce mot pour ce qui ne pourra jamais être qu'un moment, pour ce qui ne pourra jamais atteindre la moindre stabilité, qui apparaîtra comme un éclair et aussi éblouissant qu'il est évanouissant. Je ne crois pas que le fait que l'ordre bénéficie de ce moment d'éblouissement permette de dire que ce moment d'éblouissement a pour fonction de le créer. Je ne dis pas qu'il le crée. Ce moment d'éblouissement est le moment d'émergence de l'ordre en même temps que le moment d'immersion de la créature séparée dans cet ordre. Du moins, c'est ainsi que je le vois. Mais d'autres peuvent avoir une opinion tout à fait différente. Claude Roy, par exemple. Claude Roy est perplexe. Oui. J'ai un petit peu perdu le cours des idées de cet entretien. Je ne sais pas, il me semble, enfin, je reviens à des choses plus grossières et plus simplificatrices, mais que le propre de la tragédie, puisque nous avons pris l'exemple de la tragédie qui me semble excellent, c'est de nous faire assister, je parle en spectateur, en consommateur, si je puis dire, au spectacle d'un désastre dont nous sortons avec le sentiment d'être victorieux et de l'être non seulement sur les circonstances, sur le destin qui a été incarné sur la scène, mais dans notre propre destin. Le spectacle des grandes tragédies, ce n'est pas à la défaite et à la mort de Phèdre qui nous fait assister, c'est finalement de façon surprenante et ambiguë à notre propre victoire, à notre propre assomption. Et c'est cela qui me semble la vérité de l'art, c'est cela qu'exprime le mot de Goethe, poésie et délivrance, c'est cela et non pas dans l'évasion de la tragédie, du drame, de la mort, qu'est l'art de divertissement. Eh bien, messieurs, mes chers amis, le temps qui nous était imparti s'est écoulé. Il est bien évident que nous n'avons rien résolu. Nous avons exposé simplement quelques idées et quelques impressions. Et nous souhaitons simplement que ceux qui nous auront fait l'honneur de nous écouter poursuivent le débat sans nous. Le journal Parler vous a présenté Des idées et des hommes, une émission de Jean Amrouche. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 19 septembre 1953. Vous pouvez la réécouter pendant 1000 jours et la podcaster pendant un an sur le site franceculture.fr.